Moi, je suis plutôt nouveau dans cette démarche. Paraît que ça rejoint le C3D depuis 2 ans. Mais au regard de tout ce qui a été fait, je pense que c'est très porteur d'espoir pour le futur. Je pense que, pour être très concret, si on ne fait rien aujourd'hui sur un certain nombre de sujets, comme la lutte contre le changement climatique, entre autres, je pense qu'on va vraiment dans le mur. Donc c'est à tous de prendre conscience de la problématique et de, à la fois au niveau individuel et au niveau de nos entreprises, de bouger, de se bouger pour agir. Et ça passe vraiment, je pense, par un changement dans les mentalités de chacun. Et au regard de ce qui a été fait pour le C3D, à part le C3D pendant ces 10 ans, en tout cas, ça me laisse beaucoup d'espoir sur ce qu'il y a encore à faire pendant 10 ou plus. Devant nous, ouais, super. En tant qu'entreprise responsable, par ex, on considère qu'on a vraiment notre part à jouer, notre part à prendre, plus d'ailleurs qu'à jouer, dans la lutte contre le réchauffement climatique. On est utilisateur d'un certain nombre de matières premières qui sont assez fortement émettrices en CO2. Et à ce titre-là, on va devoir travailler, associer nos fournisseurs à une meilleure approche du sourcing, mais aussi réfléchir nous à nos solutions à proposer aux clients pour réduire justement cette empreinte carbone. Je pense que c'est le sujet clé à venir, pour lequel, si on ne bouge pas, une fois de plus, je le dis, on ira dans le mur.